Salut tout le monde, c'est JCCPKM67. Aujourd'hui, grosse ouverture comme vous pouvez voir avec le fond, puisqu'il s'agit donc de l'ouverture XY Étincelle, donc la deuxième série Pokémon, donc du bloc XY. Et donc moi, je vais vous ouvrir un display. J'en ai en tout, j'en ai trois. Donc bon, pour ceux-là qui ont vu ma page Facebook, ils le savent parce qu'il y a déjà les photos. Donc voilà, et le troisième. Moi je pense faire une grosse ouverture XY étincelle, donc ouvrir les trois displays en donc six parties. Donc on va vraiment manger du XY étincelle parce que de toute façon, à mon avis, c'est la série phare. Depuis un long moment, c'est une grosse grosse série. Parce que voilà, tout le monde kiffe les Dracaufeu. Moi j'aime bien aussi, moi je suis plutôt fan, de toute façon je vais vous montrer vite fait la boîte. Donc le Méga Dracaufeu X. Le Méga Dracaufeu Y. Donc moi je suis vraiment fan du Y quoi. Il est juste magnifique. Donc là, normalement c'est Nemelios. Là on retrouve les 4 Pokémon. Là je vous mets le texte si vous voulez lire. Vous mettez sur pause. Et le méga Kangourex. Ouais, donc les méga Dracaufeu, voilà. Alors moi personnellement je trouve que il y a trop de Dracaufeu dans la série. Pour moi, pour une série basée sur le feu, ils auraient pu rajouter d'autres Pokémon quoi. Bon, un Dracaufeu je peux comprendre. Avec le Dracaufeu Foulard, parce qu'il y a eu Tortank et Florizarre dans la première série. Mais on foutre tellement. Je trouve ça que. Je sais pas. J'ai du mal. Parce que surtout qu'il n'y a pas que Dracaufeu dans la vie, quoi. Je veux dire, il y a d'autres Pokémon qui sont vraiment bien en type feu. Même j'aurais bien vu le Nemelios. Le Nemelios en ex, par exemple. Pourquoi pas? Ou le Brazégali, quoi, vu qu'il a aussi une méga évolution. Après, bon, je sais pas ce qu'ils ont fait quoi. Bref, et de toute façon, il en faut pour tout le monde, mais je sais pas. Si vous trouvez vous aussi qu'il y a trop de Dracaufeu, ben, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Donc, on va commencer par la partie de droite. Ouais, c'est en fait le problème qu'il y a, c'est que vu qu'il y a trop de Dracaufeu, les prix sont vachement élevés. Et personnellement, ça me fait chier de payer autant pour une carte quoi. C'est pour ça, surtout quand on voit le Dracaufeu Foulard. Alors, je vous montre vite fait les boosters. Donc, le Méga Dracaufeu X en noir. On a le Nemelios. Ouais, celui-là en ex, il aurait été pas mal quand même. Le Méga Kangourex. Et mon préféré, le Méga Dracaufeu Y. Alors, bon, comme vous savez, moi je joue pas au jeu, donc du coup je risque de dire peut-être certains noms Pokémon faux. Bon, même si c'est en français, peut-être la prononciation. Parce que moi je découvre les nouveaux Pokémon avec les séries de cartes, quoi. Il faudrait que j'ouvre bien les boosters. Alors, 1, 2, 3. Donc, je vous montre vite fait le logo. Donc voilà, XY 1, 2, donc 106 cartes et 3 secrètes. Alors, Pifeuille, Escroco, on a une traîneur, Farfuret, Grenipio, Flabébé, on a Lixi. Moufouette, un Fluvetin en reverse, sympa, et donc et notre première rare, un Mouflaire. Ouais, ben non. Je m'appelle pas tous fous d'époque qui tire tout de suite une secrète là dans un premier booster. Voilà, je vais essayer.
J'ai essayé de garder au moins les 4 boosters. Hop. Parce que le premier était un peu défoncé. Voilà, donc il y a un dame du centre Pokémon en full art. Moi, je suis vraiment fan des trainers, quoi. Voilà, il me faut absolument celle-là, quoi. J'adore. Roserad. Crisacier. Venalgue. Sympa. Mustéboué. Passe rouge. Un Ponyta. Un Psystigris. Cool. Ah bah tiens, le Psystigris en reverse. Donc c'est une commune reverse. Et on a Igolta en rare. Donc ouais, j'espère tomber sur de très gros displays avec un bon ratio, ça serait vraiment cool, quoi. Hop, ça fait 2. Alors 1, 2, 3. J'ai eu mon trépied, donc comme vous pouvez voir, je filme en contrebas. Donc bah dites-moi si vous aimez. Donc on a Love Disc, une Hyper Ball, Gravalanche. Oh là là, il est bien dessiné là. Et Lionceau, Racaillou. On a Barpo, Fouinette. Oh, trop bien, l'artwork est juste magnifique. Oh là là, voilà. Que l'Enox, un Dracarmin, donc d'après ce que j'ai vu, ça c'est une holo reverse, sympa et en rare. Ah, premier ex, magnifique, Kangourex ex. Bah ça commence plutôt bien. Hop, mettre ça sous sleeve. Premier ex, espérons que c'est le début d'une longue série. Donc, Dracofeu Y. Voilà. Non. Allez. Le code online. Alors, on a Brésillon. Franchement, là, l'artwork est juste trop bien. Dommage que c'est un truc 3D. Donc, Brésillon, on a Registrami, Farfuret, Obali, on a Fluvetin, Opermine. Celui-là, je connais pas. Il ressemble un peu à rien. Moufouette. Baguiguane. Oh là là, l'artwork là. Franchement, vous voyez, des dessins comme ça, c'est juste magnifique. Franchement, il a trop la classe. Il a trop la classe, sérieux. C'est juste magnifique. On a un Fortress en reverse. Et en rare. Oh, Coatox Full Art. Magnifique. Oh, comme elle brille. Oh, j'adore. Bon, bien sûr, j'aimerais tomber sur le Dracaufeu juste parce que il coûte super cher. Mais j'affectionne pas particulièrement la full art de Dracaufeu. Mais, ah ouais, trop magnifique. Bon, première full art. Enfin, première. Et peut-être dernière, mais j'espère pas. C'est une très bonne première partie. Et donc c'est un booster méga Kangourex qui me manque. Celle-là je peux. Celle-là on s'en fout. Là on a perdu assez de temps pour ouvrir les boosters correctement. Hop, donc le code. Voilà. Méga fun surprise. On a Luxio. Maracachi. Passe rouge, Ponyta,
Sistigri, Roucoule et Yonceau. Donc, sous une deuxième forme. Ah ben, quand on parle du lion, ils sont en reverse et Roucarnage en rare. On n'a pas encore eu une seule holo. Donc un love disc, un cube professeur, hop, oh classe, Seracrawl, d'accord, franchement il est bien, moi j'aime bien. Et c'est quoi l'évolution de Grelasse, d'accord, non je connais pas. Mucuscule, c'est genre un métamorphe V2. Chenipan, Racaillou, Galvaran, Laporeille, Roucarnage en reverse, en rare reverse, et on a Papillusion en rare, qui est super bien dessiné. Hop. Booster Mega Kangourex. Lissandre, qui existe aussi en full art. Alors, Terraclope, Roucoups, qui est trop beau. Opermine, un Moufouette, Baguiguane, Venalgue, Mustéboué, Mascaïman en reverse, et en rare. Ouh, premier holo, Stracie. D'accord, je connaissais pas. Type fée. Sympa. Donc ouais, je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui ont ouvert le display un petit peu en avance. Et beaucoup plus en avance que moi. La dernière fois que j'ai fait ça avec les boosters XY, avec les displays XY, vu que je les avais super en avance, on m'a craché dessus. Donc du coup, voilà. J'ai un petit peu attendu. Coiffarel, Flouette, Fan Club Pokémon, donc c'est aussi une full art. Pomme de pique, Fouinette, Barpeau, Grelasson. C'est le premier stade de l'autre là que j'aime bien. Roselia, j'ai déjà oublié son nom. Gravalanche en reverse et Fermite en rare. Ouais, donc j'ai dit, on a plein qui ont ouvert et il y en a qui ont des grosses pioches hein, quand même. Dans l'absolu, j'aimerais bien tomber le Dracaufeu Full Art et donc le méga Dracaufeu Y. Ça serait vraiment cool. Registre ami, Hyper Ball et une des secrètes quoi. Brésillon, Psystigris, Moufouette, Roselia. Lennox et Lionceau, Stracie donc en holo reverse et un Grolem en rare. L'artwork est plutôt pas mal, j'aime bien. Sautant que c'est pas de la 3D, moi je suis fan comme la plupart des gens, je pense. Alors, Love Disc, Hyper Ball, Gravalanche, Chenipan,
Galvaran, Ponita, Opermine, Mustéboué, Ponita en reverse, et en rare, Dracarmin holo. Cool, franchement elle claque. C'est cool que je l'ai en holo, vu que moi je collectionne pas les reverse. C'est cool. On est déjà à 15 minutes 30 là. On dépêche un peu quand même. Ah. Regardez. Je sais pas si vous voyez la différence de couleur qu'il y a sur, sur cette carte. Pourtant, c'est une peu commune quoi. Voilà, c'est abusé. C'est quoi ce bordel? Cendre sacrée. Je vais mettre ça un peu plus sur la droite. Flouette. Ah, sympa. Cube protecteur. Venalgue. J'aimerais bien son évolution. Dixie. Bagigone. Pomme de pique. Farfuret. Ah, Bagaïd, regardez-moi comme il a la classe. Donc Bagaïd en rare. Et wow, Luxray en rare. Franchement, l'artwork magnifique. Il aurait mérité d'être en holo quoi. Alors, Pifeuille, Escroco, Forgeron, Mascaillement, Grelasson, Pomme de Pique, Obali, Laporeille, Opermine, donc en reverse, et en rare, Golgopat. Ouais, ben, vous voyez celui-là, je suis pas trop fan, hein. Déjà c'est en 3D alors c'est mort. Mais ouais. Je sais pas. Il ressemble pas trop à un Pokémon quoi, je sais pas. Ouais, en plus moi ce qui m'énerve un peu en ce moment avec les séries XY, c'est qu'il y a tellement de Pokémon de la 5ème génération et de la 6ème qui pourraient un peu enlever quand même des anciens Pokémon quoi. Tout le temps nous remettre les mêmes et les mêmes et les mêmes. Voilà quoi. Farfuret, Crisacier et Crémeux. Ponita, Opermine, Mustéboué, Fluvetin, Grenipio. Waouh, voilà. Cravarèche. Oh, il a la classe. Franchement, il a la classe. En reverse. Magnifique. Et. Oh, deuxième full art. Fan club Pokémon. Oh, magnifique. Regardez comme elle brille. Les petits carrés, tout ça, là. Oh, c'est juste... Oh, vous voyez bien, là. Oh, j'adore. Dommage que c'est pas... la dame du centre Pokémon, mais... Oh, moi, je suis fan, hein. Franchement, les trainers full art, c'est trop une bonne idée. C'est... J'adore. Ça nous fait deux full art pour cette première partie. Je vais juste ouvrir un pack de sleeves. Donc deux full art. C'est plutôt cool. On va continuer. Ah, je suis à 20 minutes et j'ai même pas ouvert 18 boosters. Désolé un peu du temps que je prends. Alors, méga fun surprise, Luxio, Maracachi, Fouinette, Skelenox, Roselia, Mucuscule, Flabébé, j'ai pas eu cette illustration, un Farfuré en reverse,
Et en rare, un Quillfish, qui est énervé, qui est en mode ballon. Comment défoncer ces boosters? On s'en fout, ils sont jetés. Alors, le code online, comme d'hab, j'ai envie de dire. Oula, là, là, on se calme. Alors, Cumulus, un flambeau incandescent. Seracrawl, voilà, c'est celui-là. Je me souviens plus de son nom. Pomme de pique, Obali, Laporeille, Chenipan. Oula, j'ai sauté une carte. On a un Galvaran, Terraclope en reverse, et en rare, Fortress. Il nous reste 3 boosters. Hop. 1, 2, 3. Non, j'ai bugué sur ce coup. Alors, Lysandre. Lysandre. Parce qu'il n'y a pas deux S. Terraclope. Un Roucoups. Lixi. Moufouette. Et Lionceau. Racaillou. Barpo. En reverse. Et Lionceau. Et en rare. Un Noctinoir Holo. Ah, vous voyez, le Noctinoir, il revient quasiment tout le temps. Je le vois tout le temps, celui-là. C'est abusé, il est en shiny, il est en holo, je sais pas combien de fois, il est en rare, je sais pas combien de fois, pendant le bloc noir et blanc. Voilà, quoi, stop. Il y en a assez, quoi. Il y a 6 générations. Arrêtez de foutre les mêmes. Hein. Je sais pas, quoi, mais t'as un métamorphose comme dans Fossile. Hop. Alors, ouais, on n'a pas encore eu celle-là. Pelle rusée. Ok, d'accord. Waouh, magnifique. Une Galopa. Coiffarel. Roselia. J'ai toutes les cartes qui tombent. Se calmer. Hey. Mucuscule. Flabébé. Mascaillement. Grelasson. Un écrémeux en reverse. Et en rare, Mustéflotte. Et dernier booster, le méga Dracaufeu Y. Qui a trop la classe. Alors, 1, 2, 3. Alors, Charter. Tempête magnétique, Fogler, Roucoule, Elionceau, Farfuret, Grenipio, Flabébé, Roselia et Bagaïd en rare. Ben voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, moi ça me fait toujours plaisir. À vous abonner, c'est gratuit. Ma page Facebook aussi, hein, vous pouvez vous y faire un tour. Et puis, dites-moi si vous voulez que j'ouvre tous les displays en vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !